Bonjour, bonsoir. Je vous propose aujourd'hui une méditation d'un livre magnifique de Georgia Coleridge, Le guide des chakras. Et j'ai vraiment envie de vous partager une de ces méditations. Tout d'abord, je vous propose de mettre dans votre cou ou de prendre une améthyste dans votre main. Les cristaux indigo ou violet, comme l'azurite ou l'améthyste, la voilà ici, je la dépose, vous permettent de vous connecter à votre intuition, ainsi que ces méditations, et c'est une méditation du troisième œil. Le troisième œil se situe entre les deux sourcils, légèrement plus haut que ceux-ci. Je vais à la méditation et je commence. Donc, vous savez bien que nous avons tous une équipe de guides, d'anges, d'ancêtres qui veillent sur nous. Et leur mission est assez frustrante parce que nous ne les entendons pas. Et nous ne les écoutons pas. Ce qui les contraint à nous communiquer des informations dans nos rêves ou à attirer notre attention à travers des coïncidences. Si nous faisons l'effort de nous connecter à eux par le troisième œil, la communication avec eux s'en trouve facilitée. Allongez-vous confortablement. Inspirez par le bas-ventre. Soufflez. L'auteur nous propose, à chaque expiration, de détendre une partie de votre corps, des pieds à la tête. Je vais donc, moi, vous aider, vous guider pour cette analyse de chaque partie du corps. Inspirez par le bas-ventre. Soufflez en visualisant les pieds. Inspirez. Soufflez et visualisez les mollets. Inspirez. Soufflez en visualisant les cuisses. Inspirez. Soufflez en visualisant le bas-ventre. Inspirez. Expirez en visualisant les hanches. Inspirez. Soufflez en visualisant votre nombril. Inspirez. Soufflez en inspirant le chakra du plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Inspirez. Soufflez en inspirant et en expirant le chakra du cœur au niveau de votre poitrine. Inspirez, soufflez en imaginant vos mains. Inspirez, soufflez par les bras. Inspirez, soufflez les épaules. Inspirez, soufflez le cou, la gorge. Inspirez, soufflez votre tête. Et là, inspirez, soufflez, et là on est à notre chakra du troisième œil. Demandez à vos guides et anges gardiens de se rapprocher de vous, tandis que vous entamez un périple visuel. Transportez votre œil intérieur sur une longue plage déserte. Vous êtes à une extrémité
et vous voyez la courbe du rivage avec la mer d'un côté qui s'avance sur la terre. Visualisez un cadre très sûr et paisible. Vous entendez le bruit des vagues et vous sentez le sable crisser sous vos pieds. À l'autre bout de la plage, quelqu'un se dirige vers vous. Vous ressentez de la familiarité, vous reconnaissez cette personne et vous avez hâte de la voir. Elle s'approche, mais il y a de la lumière derrière elle, de sorte que vous voyez ses contours et la lumière, mais pas son visage. Baissez les yeux. Peut-être voyez-vous ses pieds. Quel type de chaussures porte-t-elle? Regardez un peu plus haut. Quels vêtements porte-t-elle? Remarquez la couleur, la texture. Puis, votre regard remonte jusqu'au visage qui reste flou. Vous discernez quelques traits. La personne tend la main vers vous et vous sentez la belle énergie qui l'entoure. Au bord de la plage se trouve un banc qui domine la mer. Vous allez vous y asseoir. La personne a quelque chose pour vous dans les mains. C'est un cadeau qu'il faudra peut-être déballer. Vous pourrez le glisser dans votre poche ou vous en entourer. Il se peut que le guide vous dise quelques mots. Penchez-vous vers lui. Entendez-vous ce qu'il dit? Ou percevez-vous le sens des mots? Vous dites au revoir au guide et vous sentez l'énergie aimante qui émane de cette personne. Vous savez que vous pourrez l'invoquer et retrouver ce guide, cette personne, si vous en avez besoin. Le guide repart sur la plage et vous fait demi-tour. Votre corps est lourd et vous traversez une brume pour revenir dans la pièce. Vous étiez initialement et dans votre corps, là, maintenant. Inspirez, soufflez, bougez vos doigts et vos orteils, étirez-vous. Quand vous serez prête, ouvrez les yeux et notez tout ce dont vous aimeriez vous souvenir. Je vous envoie plein de lumière, je vous embrasse. À bientôt.